Bonjour, aujourd'hui on va faire gâteau aux poires. Alors ça fait, là c'est la deuxième fois où je cache le goût des ingrédients avec la garniture. Le dernier c'était zeste de citron orange. Là on va juste faire des poires. Hein. La poire cuite étant pour moi un produit éponge hein, qui absorbe tout. Hein. Alors on épluche, puis on lave dans un bac d'eau froide en enlevant avec les doigts, en appuyant dessus là où c'est pourri. Puis on les ouvre, on va enlever les pépins et on va essayer la tige là si on la trouve. Voilà, après on les émince un bon centimètre. Hein. Ensuite, vous garnissez un moule à gâteau. C'est à peu près 4 poires. Puis, dans un plat, vous mettez 6 œufs, 6 cuillères à soupe bombées de farine. Et puis, on y ajoute 8 cuillères à soupe bombées de sucre. Alors, seulement 8. Car la poire peut remplacer le sucre. J'en aurais mis 10 pour un autre fruit. Alors on fouette bien, puis on met dessus les poires. Puis on met au four. 180 degrés, chaleur tournante, départ à froid au milieu du four. Alors voilà, c'est cuit. Ça a mis 1h05 hein, minutes. On le retourne sur une volette à pâtisserie et on le remet à l'endroit avec une autre volette.